Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, notre première vidéo d'Animal Crossing New Leaf à Kisu. Et je suis avec mon perso Anna, ce qui explique cette coupe de cheveux, ce look totalement. Pff, on va pas chercher à comprendre. Je me retrouve avec Anna parce qu'en fait, on va travailler un petit peu le coin camping forêt. Comme en fait, ce qu'on a fait à Edenland lundi. Je sais pas, j'ai des envies de travailler mon coin camping en ce moment. On a une magnifique. Mauvaise herbe. J'ai changé mes patterns. Alors, ça, on en reviendra après. Voilà, j'ai mis cela en mode automne. Je voulais des patterns briques marron. En fait, les mêmes, mais en marron. Je sais que ça n'existait pas. Enfin, du moins, j'en avais jamais vu. J'espère de trouver des patterns briques marron, hormis ceux que j'ai dit à l'an. Mais non. Alors, du coup, j'ai mis cela. C'est très. J'ai pas changé mon drapeau, mais c'est très. Très très clair, peut-être trop, du coup je sais pas, mais bon c'est pas grave. J'ai aussi mis maintenant des petites tulipes en bois, enfin orange, et c'est pas ça que je voulais faire. Bon c'est pas grave, on y passe après. Et aussi ouais, donc ça faut que j'enlève parce que ça fait pas terrible. Et ah bah non, en fait non. En fait absolument rien du tout. Bref, on va retourner à mon petit chez moi de chez Anna. Et on va travailler le coin camping. Alors j'ai pris des patterns. Voilà, vous pouvez les voir. Bon, là j'ai mis un champignon qui me plaît absolument pas parce que l'herbe est trop. A plus d'herbe en fait. Donc c'est pas forcément très 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 joli. Enfin bon. Du coup j'ai pris ces patterns là que j'ai trouvé sur Pinterest. En fait j'ai tout trouvé sur Pinterest. Mais je ne suis pas convaincue, voilà, j'ai commencé à le faire. Je trouve que ça fait trop, trop. En fait, il aurait fallu, parce qu'il y a deux sortes, je peux pas vous les montrer, mais en fait, il y a deux sortes de feuilles. De toute façon, si vous cherchez un peu vos patterns automne, vous les trouverez. Et on va continuer un peu à travailler pendant que je vous raconte ma vie. Et en fait, elles sont dispersées autrement, mais bon, les couleurs sont les mêmes. Mais le problème, c'est qu'à l'automne, on n'a pas forcément de pattern très, très. Très, très représentative. Voilà. En hiver, je crois qu'on a un peu des patterns neige, donc ça va aller un peu. Et puis au printemps, bon, au printemps, on a tout ce qu'on veut. On a des fleurs, on a. Voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que la période automnale, on n'a pas forcément grand-chose. Donc on va faire avec ça. Écoutez, c'est. C'est la vie. Donc on va se mettre au milieu. On va passer un peu nos patterns au pif. Je mets aussi. Alors on va mettre ça. Je mets aussi les. Voilà ça pour différencier parce que j'ai peur que ça soit trop orange, trop marron, trop ça. Là j'ai foiré totalement mon pattern mais c'est pas grave. Ensuite tu mets ça comme ça. Voilà, ensuite on va y arriver, on va y arriver. Ensuite on va mettre. Ça on s'en fout, de toute façon il va être barré dès qu'il y a un habitant. Et on va mettre un tas de feuilles. Tac, voilà. Donc là on enlève. On met. J'ai aussi ces dalles là, mais je trouve que ça s'accorde pas bien en fait avec les dalles marron. Enfin, je sais pas. Ça fait pas assez campagnard en fait. Ça fait trop nettoyé. Donc, j'aime pas forcément. Donc, on va l'enlever. Bon, je compléterai les trous après. Je vais peut-être essayer après par la suite d'essayer de retrouver d'autres sols. Pour. Bah pour changer en fait parce que je trouve qu'il y a vraiment ça fait trop orange. Ça fait trop. Ça va pas. Ouais, alors là déjà je me suis plantée dans mes trucs. Ah j'ai inversé. Oh on va y arriver. Ah on va y arriver les gens. On ne désespère pas. Jamais désespérer. Bon, on met ça. Ensuite, on met ça. Ensuite, on met une dalle. Ensuite, on met ça. Ouais, parce que j'ai envie de mettre deux fois ça. Et c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Et on met ça. Hop. Je pourrais mettre que des dalles marron en même temps. En fait, j'ai pas d'idée. J'ai absolument pas d'idée du tout. Est-ce que ces petites dalles-là sont bien ou pas? Ou est-ce que ça fait les celles que j'utilise avec les petites fleurs? Ouais, si. Les. Oh, je peux parler, moi. Les. Oh! Ça! Les planches de bois.
On va aller jusqu'à... Bon, là, j'avais commencé à enlever, mais je me suis dit non. On va commencer là, je pense. Parce que Irène est encore dans la civilisation. Donc, on a encore ces petits patterns comme ça. Bon, ça s'installe en pleine forêt. Bon. Peut-être qu'elle aimerait avoir ces patterns-là, après tout. Et je me rends compte que j'étais absolument pas bien cadré. Hein? Si? Non, je sais pas. Oh, là, vous voyez un bout d'écran. Mais je suis pas du tout cadré. Oh, la vidéo n'importe comment. J'ai même pas regardé mon cadrage. J'étais à fond dans mes patterns. Bon, c'est pas grave. Vous ne vous allez pas m'en vouloir pour ça quand même. Alors. Touc. 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 Ouais, je sais, j'ai foutu un peu n'importe quoi. Je me suis trompée dans mes. Dans mes patterns. Encore une fois. Après, sinon, je peux mettre de temps à autre des. Des trèfles. Je sais pas. Donc là, on va remettre un pattern. Mettre un pattern de. Comme ça. Là, on va enlever. Là, on va mettre. Des dalles. Hop. Et... Je sais pas si vous voyez les différences. Voilà, là j'ai mis deux. En fait, là il y a une fleur rouge, et puis là non. Enfin, vous voyez, il y a une différence. Un petit peu. Mais c'est pas très très marquant quoi. Par contre, on va enlever ces deux-là parce que c'est pas terrible. Hop, et on va mettre. Je suis pas forcément très très convaincue, hein, je dois vous l'avouer. Je sais pas trop quoi y penser. On va mettre une dalle. De toute façon, je pense que je retravaillerai ce coin-là au niveau de Noël. Parce que quand il y aura les patterns. Quand je mettrai les patterns neige. Enfin, neige ou plus ou moins. Que je laisse ça comme ça? Ouais. C'était bizarre comme démarcation. Là aussi, c'était bizarre, je sais pas. On arrive. Ouais. Là, j'ai mis un ça parce que je savais pas trop. Ouais. Bon, en même temps, les patterns s'adaptent bien avec la. Avec la couleur. Hein. Mais bon. Ensuite. Okay, on va peut-être remettre les feuilles parce que j'avais enlevé mes citrouilles. Non, pas là. Feuilles là. Touk. Non, pas ça. La mauvaise herbe, je voulais enlever à la base. Ok, bon, c'est pas grave. Ça fait pas symétrique, ça rend un petit jour, hein. J'ai pas encore changé les panneaux en fait, j'ai oublié. Donc bah voilà, hein. On a travaillé un petit peu le coin. Je vais aller voir là pour enlever ça, pour mettre celui-là comme pattern. Voilà. J'aime bien ce petit coin. Malgré que les dalles soient, que ça soit des dalles comme ça, j'aime bien. Je trouve ça assez cosy. Mais bon. Est-ce que je mets des tas de feuilles de droite à gauche? Je sais pas. Un petit oiseau. Qui dit? Ok, on s'en fout. C'était hier. En fait, j'ai pas grand chose à faire avec Anna. On va faire une pause et puis je vais vous retrouver avec avec Daphne. Donc voilà, j'ai repris mon petit perso Delphine où j'ai changé sa petite robe. J'ai mis une robe un peu automnale avec un petit gilet et une petite écharpe
Par contre, les chaussures sont pas les bonnes. C'est pour ça que vous avez vu une paire de chaussures tout à l'heure. Là-bas. C'est en fait, c'est les ballerines que je voulais mettre, mais que j'avais pas. Mais que Anna avait. Alors du coup, je l'avais déposée, puis j'ai oublié d'aller les rechercher. Du coup. Hop. Oui, est-ce que je mets encore des ballerines? C'est plus une question esthétique qu'une question de froid et de chaud. Hein? Comment ça? Non, pas ça. Ouais, ça c'était une mauvaise rêve, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais au fond de moi. Alors, on va aller remettre les patterns que j'avais, oups, virés là-bas. Là, j'ai un pattern aussi là-bas que j'ai viré. Hop. Tac. Je suis pas convaincue. Hein. Et toi, Rachida, qu'en penses-tu? Chalut, ça va? Comment tu veux? Comme tu veux, Petiote, je pète la forme noisette. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Salut, quoi de beau? Hé, hey, Petiote, il paraît que t'as fait la découverte chez toi, pas vrai? Nanana. Ouais, avec joie. Allez, viens à la maison. C'est bien ça que j'ai compris, hein. Fallait que j'aille chez moi. Bon, je sais pas. Ah oui, là par contre. Bon, c'est pas grave, trop tard. J'étais en plus avec l'autre, mais. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, elle passe pas, elle. Bah, viens. Bah, elle est conne, elle. Oh, mais m'a racheté d'or. Bebe. Mais non. Regardez-moi cette petite tête. Oh, choupette. Tiens, je m'en tombe. Oh. Oh. Regardez sa petite queue, comment elle se traîne. Oh non, mais je suis trop de la peine. Oh non, ma petite Rachida. Oh. Oh, bébé. Bon. Je vais m'en aller de là avant de pleurer. Je suis triste. Petite Rachida. C'est quoi ça? Ventilateur, ok. Rachida. On va aller au café. Parce que c'est l'automne, il fait frais, on va peut-être prendre un petit café histoire de se réchauffer. Oh, il y a Irène. Coucou Irène. Je m'offre un petit remontant, ce n'est pas interdit à ce que je cherche. En plus, je profite pour imaginer une nouvelle recette de dessert pour accompagner ce nectar. Bon, évidemment, je vais prendre un café là parce que j'ai pas encore le café emporté. Oui, s'il te plaît. Allez, fais-moi un petit café. Photos. J'ai vidé un tout petit peu mes photos, donc j'ai genre 3 photos que je peux reprendre en plus, donc j'en profite pour prendre des miniatures, etc. Donc voilà, tiens. Je te conseille de l'avaler. Ok, d'accord, merci. Aglou, 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 aglou. J'ai cru que j'avais pas ma tasse et la tasse d'Irène à côté. Ah! Toutes les cellules de ton corps résonnent à l'unisson pour célébrer le goût unique de ce café. Ok. Merci pour ce café. Vous, merci. On va quand même essayer de lui parler pour un jour travailler. Bienvenue. Bon, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du coin camping. Si c'est trop chargé, si c'est bof, si les patterns, ce que vous en pensez. Enfin, voilà. Dites-moi dans les commentaires. Parce que je sais pas en fait. Dans un sens, j'aime bien, et dans un sens, peut-être que ça me peut trop charger en pattern. Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, je serais vraiment ravie de savoir un peu vos avis. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, à Crissou, parce que ça dépendra un peu des nouveautés, quand même, où j'ai au moins quelque chose à faire. Et très vite, de toute façon, on est dans d'autres vidéos. Bye bye!